Bonjour. The Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, se termine sur une note ambiguë qui laisse tout le monde se demander ce qui est exactement arrivé à Lucy Gray, et comment la soif de pouvoir et de prestige de Snow l'a poussé à devenir l'homme qu'il est devenu. Voici des explications et théories, et c'est juste après ça. Le préquel des films The Hunger Games, qui se déroule 64 ans avant que Katniss Everdeen n'entre dans l'arène, voit Coriolanus renvoyé au Capitole après la pendaison de Sejanus Plint. Et là, disparition de Lucy Gray. Avant de revenir et d'obtenir un pardon complet, Coriolanus avait tenté de laisser Panem derrière lui avec Lucy Gray. Ils ont tous deux peur d'être impliqués dans les meurtres de Mayfair et Billy Top, surtout après la pendaison de Spruce et Sejanus. Coriolanus trouve l'arme qu'il a utilisée pour tirer sur Mayfair, et Lucy Gray craint qu'il ne la tue pour avoir été la dernière témoin. Elle s'excuse et part chercher des plantes de Katniss, et après avoir réalisé que Lucy Gray a tenté de le tuer avec un serpent, Coriolanus la poursuit avec l'intention de la tuer. Il tire, mais elle semble s'enfuir. De retour au Capitole, il reçoit le prix Plint et commence à travailler avec la Dr. Goll. Coriolanus résout un dernier problème en mélangeant la morphine du doyen Hackbottom avec de la Morora. La Dr. Goll s'est avérée être à la tête du plan dans le film. Elle a fait en sorte que Coriolanus soit envoyé dans le district 12 en tant que pacificateur afin qu'il puisse voir la nature humaine telle qu'elle la croyait vraiment. Violente. Elle avait besoin que Coriolanus abandonne ce qu'il croyait être les Hunger Games, une punition collective des districts, et qu'il accepte le rôle du Capitole consistant à garder les districts sous contrôle pour contrôler la violence. Goll pense que la situation est devenue incontrôlable auparavant, mais pour que le Capitole survive, il lui fallait un rappel de tout ce qui l'a précédé. La Dr. Goll savait que Coriolanus devait le constater par lui-même pour avancer. Au début du film, Tigris dit à Coriolanus qu'il n'est pas obligé d'être son père, Crassus Snow. Il est clair que Tigris pensait que Coriolanus était un homme meilleur que son père, qui était un général cruel. À la fin du préquel, Tigris dit à son cousin qu'il ressemble à son père. Tigris pouvait probablement voir la trajectoire de la vie de Coriolanus. Il s'était éloigné du garçon qu'elle connaissait. En une phrase, Tigris disait à Coriolanus qu'il était en train de devenir l'homme qu'il n'aurait jamais dû être. C'est un chemin dangereux à parcourir, mais Coriolanus n'a eu aucun problème à le faire. Aux yeux de Tigris, il était sur le point de devenir ce qu'elle craignait que son oncle ne soit, impitoyable et haineux. Tenter d'empêcher Coriolanus de remporter le prix Plint était une façon pour Hightbottom d'empêcher Snow d'influencer les Hunger Games, que Hightbottom voulait abolir. Le manque de richesse aurait également empêché Coriolanus d'avoir le pouvoir, ce que Casca craignait, car plus rien ne pourrait l'arrêter après cela. Le doyen ne voulait pas non plus que Coriolanus occupe un rôle de leadership et était perturbé par sa proximité avec la Dr. Goll. Il savait au fond de lui que Coriolanus ne ferait qu'aggraver les Hunger Games, poursuivant le travail de son père et ajoutant la cruauté du traitement des districts par le Capitole. Dans le film, les Snow mentionnent la guerre et les jours sombres. Au moment où Coriolanus en est à sa dernière année universitaire, ils ont à peine réussi à s'en sortir financièrement, patinant uniquement grâce à leur nom influent jusqu'à ce que Corio puisse obtenir l'argent du prix Plint. Bien que les détails ne soient pas mentionnés dans le film, la famille Snow a en réalité perdu sa richesse parce que la majorité de ses investissements étaient liés au district 13. Les Snow étaient propriétaires de nombreuses installations de recherche et usines là-bas, mais ils ont perdu la plupart de leur richesse après que le district 13 soit devenu indépendant. Le reste de leur économie a été dépensé pendant le siège au Capitole. Les 10e Hunger Games ont été en grande partie un désastre, avec de nombreux tribus tués avant d'entrer dans l'arène et les étudiants de l'académie mourant également. Après le retour de Coriolanus au Capitole pour travailler avec la Dr. Goll, il commence à planifier l'avenir des jeux. C'est Coriolanus qui pousse l'idée de rendre les Hunger Games obligatoires pour les districts. Les changements mis en œuvre pour les 11e Hunger Games, dont beaucoup se sont étendus aux jeux restants, comprenaient une maison dans le village des vainqueurs, des coulis de nourriture et des prix en argent pour le vainqueur afin d'attirer des tribus et d'encourager les volontaires. Les 11e Hunger Games ont également été les premiers à inclure la tournée de victoire. De tous les décès, celui de Plint est l'un des plus dévastateurs. C'est difficile car, dès le début, Plint est le contraire de la méchanceté ultérieure de Snow, car il rejette le statut et le prestige pour tenter d'améliorer la vie des districts. En tant qu'ancien membre des districts, il aurait pu s'enfuir avec cette élévation de richesse et de statut, mais il se souvenait toujours de ses racines et de sa perspective du Capitole. Alors que Snow déraille, Plint montre un soupçon d'humanité. Il est difficile de ne pas le soutenir et d'espérer qu'il s'en sortira vivant, bien qu'il soit sur le radar du Capitole avec sa rébellion. Certains auraient peut-être espéré que sa fin serait plus ambiguë, comme une simple disparition.
Cependant, la nature de sa mort et la trahison de Snow sont déchirantes, soulevant la question de savoir si cette mort tragique était vraiment essentielle. Mais il est essentiel de comprendre que Snow ne serait pas le personnage que le public connaît sans lui. En effet, la mort de Plint est l'acte le plus pervers que Snow commet dans le préquel, surtout parce qu'il utilise ensuite la gentillesse de la famille Plint après avoir été responsable de la mort de leur fils. C'est un tournant tellement sombre de Snow rencontré au début de l'histoire. L'impact de Lucy Gray sur Snow est plus ambigu étant donné sa disparition, mais Snow ne pourra jamais oublier le sang de son ami sur ses mains. Bien que tragique, la mort de Plint dans le film a été l'un des catalyseurs les plus importants de la descente de Snow vers le mal. Le sort de Lucy Gray est aussi ambigu dans le film que dans le livre de Suzanne Collins. Coriolanus lui tire dessus, mais on ne sait pas où la balle a réellement touché Lucy Gray. Il s'agissait peut-être d'une écorchure, ce qui expliquerait pourquoi elle a pu s'enfuir si rapidement. A l'inverse, Coriolanus a également été mordu par un serpent dans un piège que Lucy Gray lui avait tendu. Il est donc possible qu'il ait simplement halluciné dans les bois. Lucy Gray aurait pu se vider de son sang et mourir, ou elle aurait pu s'échapper et se diriger vers le nord, comme cela a toujours été son intention. Il est également possible que le Capitole l'ait trouvé d'une manière ou d'une autre, sur les instructions de la Dr. Gol, et l'ait tué bien sûr en silence, afin qu'elle ne soit jamais une source de plus de problèmes. Alternativement, Lucy Gray aurait pu se frayer un chemin vers le district 13, qui a déjà été caché du reste des districts par les événements du film, ou au-delà. Après tout, ce qui se trouve en dehors de Panem est un territoire inconnu dans le cadre de la franchise The Hunger Games, et il vaut mieux penser que Lucy Gray a survécu d'une manière ou d'une autre à sa rencontre avec Coriolanus plutôt que de la croire morte. Une théorie postule même qu'elle aurait pu se marier dans le district 13 et être la mère de la présidente, qui semble avoir une vendetta personnelle contre Snow. Une autre théorie est qu'elle est la grand-mère paternelle de Katniss, bien qu'il soit plus probable que Maud Ivory soit le lien entre Covey et Katniss. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Lucy, mais peut-être que les téléspectateurs ne sont pas censés le savoir, elle peut donc toujours rester là quelque part. Bien que le film se termine de manière assez définitive, l'ambiguïté du sort de Lucy Gray pourrait bien se transformer en une suite qui explore ce qui lui est arrivé après s'être séparée de Coriolanus Snow. Si Lucy Gray a survécu, il serait intéressant de la suivre dans la prochaine étape de son voyage, loin du Capitole et du District 12. De plus, la fin de Coriolanus suggère qu'il a franchi les prochaines étapes pour devenir le futur président de Panem. Mais une suite de Hunger Games pourrait le suivre au cours des prochaines décennies de sa vie, détaillant les choix et les alliances qu'il fait qui le rapprochent de son objectif. Le film pourrait également conduire à différents spin-offs de Hunger Games, qui relèveraient davantage l'histoire de Panem plutôt que de se concentrer simplement sur les jeux eux-mêmes. Il n'y a actuellement aucun projet de suite à cette histoire, et Suzanne Collins n'a plus écrit de livre sur Hunger Games. Mais cela ne veut pas dire que le puits est sec en ce qui concerne les idées pour des suites. Les histoires de Coriolanus et Lucy Gray sont peut-être terminées, mais le film laisse suffisamment de place pour en savoir plus s'il y avait un autre film Hunger Games. Voilà, c'était un très bon film et surtout une très bonne histoire, et si vous voulez faire un spin-off, surtout faites-nous un spin-off sur Haymitch, on attend ça depuis vachement longtemps. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé du film et de cette idée? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. C'est un mystère, et les mystères ont le don de rendre les gens dingues.